Yo tout le monde, c'est Killera, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Amour Sucré, je l'avais promis, donc du coup on se retrouve pour la suite. Alors j'étais coincée dans l'épisode d'avant, j'étais coincée avec ma tenue, puisque je ne pouvais pas me changer tout simplement parce qu'il me fallait 100 dollars. Il me fallait 100 dollars pour pouvoir accéder à la suite. Du coup, c'est simple, j'ai tout simplement attendu et je me suis connectée chaque jour pour avoir les thunes nécessaires afin de pouvoir faire la partie 2. Donc j'ai vraiment hâte de changer, on va voir. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu tous vos commentaires en rapport avec le jeu. Il y en a plein qui m'ont ajouté aussi, donc j'ai tout accepté. Allez, c'est bon ça. Ah, yes, ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait il y avait une petite baston et du coup j'ai dit à Nathaniel d'arrêter. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Nathaniel, arrête, ça ne sert à rien, de toute façon c'est une tête de mule. Oula. Je vais essayer de m'interposer entre les deux, mais Castiel m'a repoussé en me disant de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Bon, ça c'est vrai. Quand ça te regarde pas, ça te regarde pas. Occupe-toi de tes fesses. Voir l'illustration. Oh là 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 là. T'imagines, tu vois l'autre qui lui met une grosse décoche dans sa gueule. Oh là là. Eh ben voilà. Découverte des clubs du lycée. J'ai finalement réussi à éloigner Nathaniel de là. Et Castiel est reparti. On a pu discuter un peu avant de rentrer chacun chez soi. Fin de l'épisode 2. Eh, sans déconner. C'est commencer l'épisode suivant. C'est tout ça, c'était pour terminer l'épisode 2. Il fallait que je me change à tout prix pour terminer l'épisode 2. Là, si dans 2 secondes, ils me ressortent, faut vous habiller, je pète un câble. Alors, épisode 3, urgence chien perdu. Un chien à retrouver à tout prix et encore du travail à faire pour les clubs. Commencez. Killera Cooper, je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a, Ambre? T'as encore embêté? Non, non, mais je voulais absolument te dire au revoir avant de partir. Comment ça, avant de partir? J'ai raconté à mon père ce qui s'était passé avec Ambre et les deux autres filles. Il a dit que c'était inadmissible que son fils se fasse maltraiter de la sorte par des donzelles. Des donzelles? Des donzelles? Il a ajouté qu'il me retirerait de ce lycée immédiatement et qu'il ferait de moi un homme pour laver sa honte au plus vite. Ton père? Mais il a fait quoi dans la vie? Il te change de lycée, c'est ça? Il est militaire, il est revenu de mission exprès pour s'occuper de moi. Je dois y aller, il m'attend. Tiens, c'est pour toi, et ne m'oublie pas, d'accord? Je reviendrai. Militaire? Dire au revoir à Ken. J'étais sur le point de dire au revoir à Ken, mais j'ai été surprise par un petit chien qui a traversé le couloir en courant. Ken était déjà parti. Oh! Oh, c'est mignon! Urgent chien perdu! Alors, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, alors, j'ai plus le nom de ces chiens. Oh, mais c'est des petits... Je les appelle les petits renards. C'est un chien que je rêverais d'avoir. Ils sont très courts sur pattes. Il y en a très très peu en France. Et je crois que c'est des chiens anglais. Ils sont trop mignons. Donc c'est parti. Mademoiselle! Mademoiselle, pourquoi n'avez-vous rien fait pour l'attraper? Mon petit Kiki! 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 Bon bah voilà, je suis un petit chien. S'il ne... Alors je reprends ma petite voix. S'il ne sauve, ce sera de votre faute. Vous en subirez les conséquences. Quoi? Mais j'ai rien fait moi, j'étais juste là et il s'est passé. Taisez-vous, retrouvez Kiki et ses affaires. Un point c'est tout sinon. Waouh, c'est moi qui trouvais qu'elle avait l'air sympa et normale comme directrice. Eh, faut retrouver Kiki. Eh. Alors moi je te dis, on va retrouver Kiki. Kiki. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ils nous remontent la photo. Décidément, il cavale à toute allure. Il faut sûrement que je trouve son jouet et ses affaires pour pouvoir l'attirer. Ok, donc je pense qu'il était dans la pièce. En fait, elle l'a vu. D'où pourquoi on voyait la photo. Donc, il faut qu'elle trouve un jouet pour pouvoir l'attirer. Oh, ça a pété, Castiel. Salut, c'est réglé pour ton mode absence, alors? Bien sûr, je vais pas me faire virer comme ça. Et puis, eh, c'est pas un chien qui vient de passer au courant derrière toi, là? Ah, il était là. Je dois à tout prix le retrouver pour la directrice. Ah, il était là. La directrice m'a carrément agressé à son sujet. Ah, il était là. La directrice a pété un câble et m'oblige à le retrouver pour elle. Je vais mettre ça. Bim. Ah, rien d'étonnant venant de la vieille avec son roquet. Oh, putain. Bon courage pour attraper sa sale bête. Mais bon, si tu le fais pas, à part te coller 1 heure ou 2, elle pourra pas te faire grand-chose. De plus... Merci, mais j'ai pas envie d'avoir des problèmes comme toi. Je préfère quand même ne pas me la mettre à dos. Ouais, c'est pas bien grave, mais je préfère éviter les ennuis. Je vais mettre ça. Oh, bah fais comme tu veux. Fermez la discussion. Eh, c'est fou comment il est d'une gentillesse, lui. Il va falloir que je trouve un jouet. Hein. Kiki! Ah, il est encore là. Donc décidément, il cavale à toute vitesse, blablabla. Ah, attends, j'ai un truc là. Qu'est-ce qu'il y a au sol? Eh, j'ai un collier. Ah, mais attends... À la recherche des toutous de quelque chose? Pas vraiment, en fait, je parie que t'as pas d'animaux, toi. Pas vraiment, en fait, je parie que t'as un chat, toi. Pas vraiment, en fait, je parie que t'as un chien, toi. Je dis que t'as pas d'animaux. Raté, moi aussi j'ai un chien, mais un gros chien. Pas un roquet comme la directrice. Eh oh, ça va, hein. Oh, les pains bêches. Les pains bêches.
Ah, alors comme ça, tu as même réussi à faire fuir Ken? C'est à cause de vous s'il a dû partir. J'ai fait fuir personne. J'ai rien fait à Ken, ok? J'ai marqué c'est à cause de vous s'il est parti. Oh zut, vous entendez, c'est à cause de nous. Tu vas pleurer, il te manque déjà? Tu te retrouves toute seule maintenant. Ça m'empêchera pas de te faire fermer ton clapin de séjour. Ah, j'ai hâte. Mais dites-moi que je vais lui mettre une patate dans sa tronche dans les futurs épisodes. Ouh là là, j'ai peur, essaie toujours, tu verras ce qu'il t'arrivera. Il suffit que je me plaigne au délégué principal ou tu devrais... Ou devrais-je dire mon grand frère, et tu verras un peu les problèmes qui vont te tomber dessus. Ton frère est pas aussi stupide que toi, tu sais. Oh, moi stupide? Et de toute façon, il adore sa gentille petite sœur. J'en peux plus de faire ses voix. Moi, je veux bien faire les monologues et tout, qu'il y ait de l'action, machin, mais les voix de pain-bêche, j'en peux plus. Désolée de te décevoir, mais ton frère m'aime bien, et ça m'étonnerait qu'il abuse de son statut pour satisfaire les petits caprices de sa sœur. Pff, laisse tomber. Je laisse tomber. Voilà, bim. Si tu crois. Elle est repartie, j'ai peut-être réussi à la contrarier un peu pour une fois. Banco, ça dégage. Bon bah je fais un retour. Kiki. Alors. Bah là je vais aller dans la cour. Hein. Décidément il avait tout à lui en machin blablabla. Je me barre. Je t'ai pas demandé ce que c'était comme race ton chien en fait. Un bosseron. Ah oui bon bah c'est bon. Ouais. Moi j'ai un bulldog et bah alors c'est... Oh je connais pas. Ah c'est un de ces chiens dits dangereux. Ah oui c'est des chiens tout blancs ça. Non il est pas tout blanc déjà. C'est con de dire dangereux. J'aime pas le concept de dire qu'un chien est dangereux parce que pour moi il devient dangereux en fonction de ce que le maître en fait. Donc je vais faire style, je vais faire oh je connais pas. Tu le verras peut-être un jour. Ah tu vois j'ai bien fait style. Yeah. Donc on va se barrer, on va aller dans le club de jardinage voir si on voit pas Kiki. Kiki. Attends il y avait un truc. J'ai cru voir un truc au sol, j'étais trop vite, merde. Décidément le cavale a tout à l'heure. Attends, j'ai cru voir un truc au sol. Kiki. J'ai cru voir un truc. Faut que je prenne mon temps. Gymnase, on va aller au gymnase. Eh, salut, tu es dans le club de basket? Pas vraiment, enfin peut-être. Non, je suis juste obligée d'y venir. Pas tout à fait, mais j'aime bien le basket. Ouais, le basket, c'est cool. Moi, c'est... Diane? Ça se prononce Diane? Comme tous les mots avec un J qu'on prononce Ior ou... Comme Bjorn ou je sais pas. Bon, on va dire Diane. Si je me suis trompée, dites-moi dans les commentaires comment on doit le prononcer. Je suis ici en échange interscolaire avec l'équipe de basket de ton lycée. Ah bon, bah ok. Ferme ta gueule. Bon, je m'attendais à une discussion. Bon. Kiki! Il commence à me gaver, là. Attends, son jouet, ses affaires. Là. Tu vois, j'avais trouvé... C'est bien ça que j'avais vu tout à l'heure. J'ai pas vu de petit roquet dans le coin, si c'est ce que tu veux savoir. Fermez la discussion. Tu me saoules. On va retourner. Qu'est-ce que tu voulais dire par échange interscolaire? Je suis dans un lycée spécialisé en sport, donc on organise régulièrement des rencontres avec les équipes de sport d'autres lycées. Oh, je vois, alors tu fais d'autres sports que le basket? Un peu, mais le basket est mon domaine de prédilection. Tout mon entraînement tourne autour de ça pour pouvoir devenir professionnel. Professionnel dans le sport, c'est bien dans le loisir, mais trouve-toi un vrai métier quand même. C'est bien en loisir, pardon. J'espère que toi... J'espère pour toi que t'as un plan B. J'ai marqué plan B. Non, c'est mon rêve et j'y arriverai. C'est vrai qu'avoir un plan B aurait été plus raisonnable, mais si j'en ai pas, ça m'oblige à réussir mon seul et unique objectif. Je te souhaite bon courage alors. Merci. Voilà, c'est bon. Bon, est-ce qu'on peut trouver le clébard? Kiki! C'est perturbant qu'elle crie Kiki comme ça. Donc, à la limite, si j'avais été modélisée en personnage, ok. Mais là que j'ai été modélisée en chien, voilà, ça me fait un petit peu yesh. Oh non, je l'ai démonté! Alors comme ça, grand-mère a perdu son chien, je parie que c'est toi qui dois le retrouver, pas vrai? Bon, je vais tenter ma chance. Vous l'avez vu peut-être? Oui, peut-être, si tu me donnes 15$, si je te dis où il est, quel rapace, ok, dis-moi où il est alors. Non mais tu rêves, je vais me débrouiller. Moi je ne paye pas. Pff, bah tant pis pour toi, tu le retrouveras jamais maintenant. On verra. Voilà. Bon, je ne paye pas, je ne donnerai pas. Non, je ne donnerai pas une thune pour ces gonzesses. Pas une thune. Kiki! M'en fous, si ça doit mettre 10 ans, je cherche... J'en ai rien à foutre. Moi, je veux le trouver, le clébard. On a trouvé la laisse, on a trouvé le collier. Je pense qu'il manque plus qu'à trouver son jouet. J'ai pas vu de petit roquet dans le coin, c'est ce que tu veux savoir. Mais c'est bon, je t'ai rien demandé. Salut, alors c'est réglé cette histoire de mot d'absence finalement? Ouais, c'est réglé. Même s'il a séché des cours, il ne sera pas viré, pas pour cette fois du moins. Ok, tant mieux, alors non? Il a haussé les épaules. En tout cas, je suis désolée de t'avoir mêlé à cette histoire. J'aurais pas dû te demander un tel service et de te mettre dans une telle situation. Par contre, on peut peut-être parler d'autre chose que de Castiel? Eh bien, tu n'aurais pas vu un chien passer? Eh bien, la directrice s'est transformée en furie après moi. Eh bien, la directrice me fait carrément flipper, on aurait dit une folle à l'instant. Je veux dire le chien.
Le chien de la directrice, il s'est encore échappé? Oui, c'est ça, mais c'est pas une raison pour s'en prendre à moi comme ça. Elle exagère, c'est son chien, ça m'étonnerait que nous, on ait le droit de ramener des animaux ici. Et je fais quoi? Ça tombe sur moi, je dois retrouver son chien et j'ai pas mon mot à dire? Ouais, je vais marquer ça. Et on va dire que c'est son seul habit de pouvoir en tant que directrice. Ceci dit, si elle t'a chargé de retrouver son chien, je te conseille de le faire. Si tu ne veux pas te retrouver en colle ou autre chose. Bon, bah j'ai rien contre les chiens, mais quand même. Bon courage. Eh, hey, merci. Le jouet. Il me faut le jouet du clébard. Pour le moment, je vois rien. Je ne vois pas d'informations contre... J'ai pas vu le roquet, si tu veux savoir. Ça fait 10 fois que tu me le dis, j'avais compris que tu n'avais pas vu le clébard. Salut. Tu as pu te débrouiller avec le club l'autre fois? Oui, c'est bon, merci, mais maintenant je dois retrouver le chien de la directrice. Kiki s'est encore sauvé? Quel forceur, celui-là! Il fait ça souvent? Souvent, peut-être pas, mais ça arrive de temps en temps. Oui, il me semble qu'elle le garde avec elle dans son bureau en général. D'ailleurs, j'ai dû lui courir après une fois aussi. Tu peux m'aider? Eh bien, il faut juste réussir à attirer son attention, le temps de l'attraper. Ah, c'est vrai qu'il m'a fait courir moi aussi la dernière fois. Bon courage, attirer son attention. Ok. Donc tu vois, il doit y avoir une friandise ou un jouet, je pense, un truc caché. Il est où le machin, sans déconner? Ouf, ouf, ça serait peut-être plus facile pour toi de l'attraper si tu te mettais à quatre pattes aussi. Eh, dégage, mais dégage. Oh, mais je vais lui faire manger. Elle va bouffer. Hein. Je trouve rien. Ah, yes, je l'ai. On retourne au coin. Eh, vas-y, vas-y, barre-toi. T'en foutre une, moi. Allez, viens, regarde, j'ai ton jouet, ton collier, ta laisse aussi. Zut, il s'est encore sauvé, mais comment je vais faire pour l'attraper? Je regarde s'il n'y a rien dans les salles. Kira Cooper, j'ai vu le chien passer en courant il y a un instant. J'ai essayé de le retenir, mais il s'est échappé avant que je ne puisse tenter quoi que ce soit. Alors, tu es occupé là? À deux, ce serait peut-être plus facile de l'attraper. J'ai retrouvé ses affaires et son jouet, mais ça n'a pas l'air de l'intéresser. Je crois que je vais laisser tomber. Moi, je veux dire que ça n'a pas l'air de l'intéresser, le jouet. Je sais pas trop, tu as essayé de la pâter? La pâter avec quoi? De la nourriture, de la viande ou quelque chose de genre que les chiens aiment en général? C'est pas bête, je vais essayer de trouver quelque chose, merci. Donc, il faut que je trouve un truc à bouffer maintenant. Où est-ce que je vais trouver un truc à manger? Peut-être dans la salle de classe, dans un des cartables. Le revoilà! Ah, mais il va se rebarrer, de toute façon. Décidément, il me fuit. Bah, tu m'étonnes. Il me faut de la nourriture. Où est-ce que je... Ah, le revoilà. Il me faut de la nourriture. Je vais sortir. Mais ouais, mais je sais. Il est partout, là. Peu importe la salle, il est partout. Il faut juste que je trouve de la nourriture. Comment tu veux que j'appâte la bête? Ah, j'ai vu le roquet, banana. Tu as mis du temps, tu n'as pas essayé de l'attraper? Bien sûr que non, c'est pas mon problème. Putain, alors que je galère à la récupérer, t'exagères, franchement. Alors que tu sais que j'arrive pas à l'attraper, alors que je galère à la récupérer, t'es pas sympa. Voilà, bim. Haha, mais ce chien te fait perdre ton sang-froid, mademoiselle. Essaie de la pâter avec de la bouffe, c'est qu'un chien, après tout. Mais je sais pas quoi lui donner. Bah écoute, je t'ai dit que j'ai un chien, non? Repasse me voir et je te donnerai quelques biscuits le temps que j'aille le récupérer dans mon sac. Oh, s'il vous plaît. Le revoilà. Bon, bah forcément. Bah écoute, je vais aller dans la salle de... Pas le gymnase. Je vais retourner dans le couloir. Voilà. Alors, tu as tes gâteaux pour chien? Ouais, je les ai si tu veux bien me donner 20 dollars. Quoi, 20 dollars? T'es jamais parlé de me les vendre? En plus, c'est super cher juste pour des biscuits pour chien. J'ai jamais dit que ce serait gratuit. Et puis, ce n'est pas cher payer pour se faire bien voir de madame la directrice. Non, alors tu payes... Ah, l'enfoiré. Tiens, allez, salaud. Cool, voilà pour toi. Ravi de faire affaire avec toi. Ouais, c'est ça. J'ai intérêt à réussir à l'attraper avec tes gâteaux, en tout cas. Ah, il est là. Je te laisse, je vais l'attraper. Ok, allez. Il faut que je l'attrape. Courir après Kiki. Petit, petit, allez, viens par ici. Ah, zut, il s'est encore enfui. Voilà qui retourne vers le lycée. Vite, vite, vite. Ouf, ouf, ta gueule. Ta gueule. Salle de classe. Eh, hey, mais elles sont partout? Je l'ai perdu, on dirait. Où est-ce qu'il a pu aller? Je retourne au club de jardinage. Ah, au fait, j'ai oublié de te demander. Est-ce que t'as vu un petit chien passer par ici? Un chien? Non, j'ai vu que des ballons de basket dans le coin. Ok, merci. What? Tu n'as pas accès de poids d'action pour te faire le déplacement? C'est une blague. Par pitié, dites-moi que c'est une blague. Bah, ils ont un gros problème d'actualisation, sans déconner, dans ce jeu, parce qu'en haut, il n'y a rien du tout. Ça me met pas du tout... Je vais actualiser pour voir. Oh, les salauds. Oh, les salauds, bordel. Oh, c'est dégueulasse.
Et moi, je peux plus, hein. J'en peux plus de ce jeu, sans déconner. Hein. Écoutez, on va faire des jeux pour gagner des PA. J'ai perdu. Ah. Attends, j'ai gagné que 2 PA, c'est tout. Sérieux? Oh, oh non. J'ai gagné que 2, juste pour me déplacer, c'est tout. Après, je suis quand même bloqué. C'est affreux. Attends, c'est chaud. Oh, attends, c'est dégueulasse. Là, pour le coup, c'est dégueulasse. Dans la messagerie, je peux pas demander à mes contacts de m'envoyer. Oh non, on peut pas. Oh, je suis dégoûtée. Oh non, mais du coup, je suis coincée, là. À la recherche de Kiki, tu parles Kiki, hein. Ah là, en gros, là, je suis sortie. Maintenant, je suis coincée. Bah voilà. Oh non, j'ai le seum, là. Ouais, c'est ça, j'ai plus rien. Je suis dégoûtée. J'ai le seum là, mais c'est violent. Le taux de seum est à son... Ça va péter. Bon. Eh bien écoutez les amis. Je crois qu'une nouvelle fois nous sommes encore bloqués. Nous sommes devant une faille. Voilà, une grosse faille. Du coup qui va handicaper clairement le let's play hein. Ça va clairement handicaper parce que en fait je pensais pas que les PA, vu que ça s'actualisait jamais en fait, je pensais que quand on découvrait une salle qu'on connaissait pas, genre ça les prenait et après on les gardait, et en fait non, c'est chaque pas que tu fais, faut que tu sois super réfléchi en fait quand tu fais ton nombre de pas. Ah, j'ai le seum, j'ai le seum. Bon bah du coup, en attendant, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. On n'a pas retrouvé Kiki du coup, hein, parce qu'on est clairement coincé. Il faut que j'essaie de trouver une solution pour ça, parce que ça va vraiment être handicapant pour la suite. Donc en attendant, n'hésite pas à t'abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. De toute façon, tout est listé en barre d'infos, ainsi que Steam, PSN, Xbox, tout ce que tu veux. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.